Salut à tous, c'est Spikey1337 et bienvenue dans cette nouvelle compilation de glitch sur le jeu Crysis 3. Donc on va tout de suite commencer par la fin du chapitre 2, quand vous arrivez près d'une base avec une tour radio qui s'est fait défoncer par un alien. Vous arrivez près de la porte métallique et juste à côté vous avez une haie énorme qui longe en fait un des bâtiments détruits. Là il vous suffira tout simplement d'être à la base de la haie. Et là vous visez un peu en diagonale entre le mur et la haie, il suffira tout simplement de faire des petits sauts ou des super jumps. Et là vous allez voir, ça sera un pseudo glitch elevator. En fait vous aurez différents paliers invisibles qui vont vous faire monter directement en haut de l'immeuble. Ce qui va vous permettre de faire tout simplement un bon gros out of map. Bien sûr vous pourrez visiter à peu près tous les niveaux précédents. Comme c'est un monde bien classé et en fait qui supprime au fur et à mesure, vous pourrez visiter à peu près toute la map. Donc maintenant on va au chapitre 4 et là ça se passe dès le début. Donc quand vous arrivez au-dessus des toits qui sont reliés par des sortes de tuyaux détruits, quand vous arrivez au bout, en fait vraiment à l'extrémité droite de la map si je me rappelle bien, vous arrivez aussi devant une maison avec une haie, tout simplement, comme avant. Sauf là en fait il suffira de se mettre à la base de la haie et là de reculer légèrement et de courir et de faire un super jump pour arriver au pic de la haie. Bien sûr ça fait beaucoup de haies mais enfin bref. Et quand vous arrivez en haut vous faites de nouveau un super jump et là vous arrivez sur le toit. Et là de nouveau out of map et celui-là est super intéressant car vous pouvez activer les scripts en fait en étant à l'extérieur de la map. Et ça permet tout simplement de traverser tout le niveau sans rien faire, sans tuer un seul ennemi. Donc ça c'est plutôt une technique sympathique si vous voulez faire un speedrun sur ce jeu. Donc voilà, la vidéo est finie, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, lâcher des commentaires, et si c'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitter pour voir l'avancement de mes vidéos. Donc je vous dis à la prochaine, et bien sûr, portez-vous bien.